Bonjour ou bonsoir à tous, c'est French Revolution, on se retrouve pour la toute dernière vidéo avant mon bilan de cette première partie de saison. Donc juste avant de vous montrer les profils des deux classiques qui nous attendent dans cette vidéo, je voulais quand même m'excuser un petit peu parce que bon, je sais quand même qu'il y en a qui me suivent et qui suivent donc ma carrière. Donc je m'excuse auprès de ces abonnés-là ou de ces personnes qui me suivent parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps. Voilà, donc ça doit faire même au moins une semaine, je pense, que je n'ai pas fait de vidéo. Mais bon, il y a quelques petites raisons à ça déjà. Donc bon, il y a la reprise des cours, moi je suis à l'université, donc du coup, comme j'ai changé de domicile, bah, c'est pas toujours évident. Parce que bon, l'emménagement, tout ça, puis bon, on n'a pas de connexion internet là-bas non plus, pas encore, donc ça ne serait tardé, mais du coup bah c'est. Je peux pas uploader là-bas donc mes vidéos. Et donc c'est une raison aussi qui fait que. Et en plus de ça, bon, je suis moins motivé à. Enfin, j'ai été moins motivé à faire des vidéos là-bas, tout simplement parce qu'on a d'autres choses à penser quand on est là-bas. Et que c'est quand même beaucoup moins évident. Donc voilà, j'étais un peu moins disponible, on va dire, mais bon, c'est surtout pour cette raison-là. Point de vue motivation. Les points de vue, on a d'autres choses à penser tout simplement. Donc voilà, c'est simplement pour ça que je n'ai pas pu vous proposer des vidéos. Ouais, donc à noter quand même, hein, je vais quand même vous montrer le profil, histoire que vous n'ayez pas juste le programme sur l'écran, c'est quand même pas très intéressant. Voilà, donc à noter, j'allais dire que je fais cette vidéo le lendemain de la victoire de Kenny Alisson sur l'Anglais Roux. Voilà, donc le lendemain d'une étape historique, hein, pour la France. Voilà, mais même pas que dans le monde du cyclisme, on peut le dire dans l'histoire de France tout simplement. Puisque Kenny Elissonde s'est imposé au sommet de l'Anglais Roux, donc une magnifique victoire. Hein, voilà, donc ça m'a également peut-être un peu motivé à faire cette vidéo. Donc voilà, donc c'est cool. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, c'est mon coureur préféré. Voilà pourquoi je dis ça. Je ne suis pas forcément fou. Parce que bon, c'est pas forcément. Ça représente pas forcément l'histoire de France, on est d'accord. Bon, alors, Route Adélie de Vitré sera la toute première classique. Hein, qui va faire la toute première classique. Il y en a que deux, donc. La première classique que je vais jouer dans cette vidéo. Voilà, donc c'est plat. Hein, y a des petites bosses, c'est assez magnifique. Mais ça reste plat, sinon Roberto Ferrari s'était imposé en 2012. Gianni Meersman. Ouais, alors que ça commence par le deuxième. Enfin, je sais pas si c'est passé en 2011. Un déclassement, je sais pas. Bon, d'accord, je sais pas. Cyril Gauthier en 2010, Jérôme Coppel 2009, Kevin Nista 2008, Rémi Poriol 2007, ça ne s'arrête plus, Samuel Dumoulin 2006, Daniel Contrini 2005, Anthony Julien en 2004 et c'est tout, heureusement. Valdil Classique Souvenir Julien Dittel Cadet, donc de ce que j'ai vu, voilà, c'est légèrement vallonné, enfin c'est classé en étape vallonnée, bon. Mais disons-le clairement, un sprinter tel que Maxime Le Montagnier, un coureur qu'on connaît parce qu'il était présent au Tour de Normandie et qu'il a dû gagner deux étapes, il me semble. Pour ceux qui ont suivi mon tour de Normandie, avec la victoire de Sylvain Dillier, comme en vrai, je tenais à le signaler au fait, parce que je l'avais pas dit pendant la vidéo, parce que je ne savais pas. Mais bon, à part ça, donc voilà, c'est vallonné, mais ça devrait se finir au sprint. Éric Berthoud s'était imposé en 2012, Guillaume Louillet en 2011 et Jimmy Casper en 2010, donc ouais, c'est. Voilà, on peut tenter quelque chose avec un coureur comme Vegard Breen, je pense qu'il est en forme, même si je suis pas sûr du tout qu'il soit en forme. Mais on verra bien. Donc voilà les deux courses qui nous attendent, et voilà, donc bon, je souhaitais vous faire cette intro-là pour vous expliquer. Ces petites choses, donc j'espère que je n'ai pas oublié grand chose au niveau de l'introduction, mais au pire des cas, ben, on se retrouve pour la course et je vous dirai si j'ai oublié quelque chose. À tout de suite. Voilà donc pour cette toute première classique. Hein. Il y en aura une deuxième après, comme je vous l'ai dit en introduction. Donc là, j'ai mis au niveau des coureurs, j'ai mis à peu près les coureurs qui étaient au Tour de Normandie, qui sont donc qui ont un bon rythme, hein, même ils ont un rythme excellent. C'est voilà, ils ont le rythme optimal, donc c'est assez magnifique. Et ils ont également tous soit 2 soit 3 en forme, donc c'est plutôt bien. Sachant que mes sprinters comme Sgirping, comme Bugge, qui lui par contre n'a pas participé au Tour de Normandie, et comme David Avila ont 2 en forme, donc il y a moyen de faire quelque chose de ce point de vue là, ça c'est clair. Donc au niveau des favoris, sinon j'ai vu qu'il y avait Jonathan Hivert et Garcia. Ed Gjibel, bon, qui est le grand favori apparemment, parce qu'il a 74 vallons et 71 sprints, donc voilà, 73 plaines, 76 accélérations, un bon coureur, qui est le grand favori de cette course.
selon ce qui avait marqué sur le chargement de la course. Donc voilà, Jonathan Hivert, il est présent ici. Voilà, donc ça, c'est surtout lui, moi, qui m'inquiète, parce que bon, 75 vallons, 71 sprints, bon, voilà. Il a de bonnes stats, et je sais plus trop qui y avait. Bref, peu importe, nous, on n'y était pas, en tout cas, il n'y avait personne. Faut savoir qu'on n'a pas des coureurs qui sont des grands punchers, donc ça s'explique aussi par ça, parce que la course, enfin, au vu des coureurs qu'il y avait dans les favoris, ben la note vallon comptait un petit peu. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Maintenant, je vais protéger mes leaders. Alors Sylvain Dillier, lui, voilà, il est. J'hésite, moi, je le ferai plutôt attaquer vers la fin si je dois le faire attaquer. Honnêtement, j'ai pas trop envie de tenter une offensive parce que bon, dans les classiques comme ça, l'échappée va très rarement au bout. Mais dis donc, c'est que c'est une attaque. Il ferait mieux de se méfier là, ça peut être très très dangereux. Ouais, donc j'ai monté un petit peu le son de ces magnifiques commentateurs, donc j'espère que ça ne perturbera pas pendant la course. Et donc je vais protéger mes coureurs. David Evil est là. Ah bah tiens, Scar Svensson va te protéger. Et c'est Bugge qui n'est pas protégé. Et ben voilà, magnifique, tout le monde est protégé. 2 minutes d'avance maintenant, voire même un peu plus. Je crois que oui, vous avez raison, hein, la bonne échappée vient de partir, c'est le cas. On est d'accord, la bonne échappée vient de partir, hein, donc c'est magnifique. Tac. Bon bah voilà, moi j'ai placé mes coureurs maintenant, donc l'échappée, on va regarder qui y a devant. 5 coureurs, ça roule un peu, même clairement dans le peloton, vu les pulses de mes coureurs, ça roule. Hein. Donc Gilbert qui roule, hein, bon c'est J.Gilbert, donc je ne connais pas. Pas Philippe, Ancio, il y a des Belges, hein. Johan Bago, tiens, attaqué. Lui qui était présent à la Vuelta, qui a dû faire, je sais pas, un top 30. Potocki, bon d'accord, Rivera Alvarez, un bon grimpeur puncher. Donc voilà, à noter donc que c'est une course classée 1 point, donc il rapporte quand même pas mal de points. Ouais, donc là on voit que ça monte beaucoup quand même, il y a du au-dessus de 10%. Parce que là, ouais, ça accélère un peu dans ce groupe. Et derrière, donc il y a en chasse patate, Olmo Menacho, Ross Schartner et Van Kaldenborg. Voilà, donc des coureurs, hein, c'est tout ce qu'il y a à dire. Pas de grosses pointures, par peut-être quand même Johan Bago qui, au vu des petites bosses qu'il y a, pourrait faire quelque chose. Ah, il y a quand même de belles petites bosses. Je regrette presque de ne pas avoir mis Vegard Breen. Vegard Breen qui, bon, n'est pas super bien en forme, hein, donc peu importe. Là, ça roule pas mal, donc on va pas attaquer maintenant en tout cas. Ah, même si j'ai l'impression que ça se calme. Ouais, ça se calme là, ça se calme. Mais bon, on va placer mes coureurs. Bon, pire des cas, nous on roulera si vraiment. Bah, si vraiment ça s'arrête de rouler, mais ça m'étonnerait parce que. Parce que c'est très rare dans des classiques comme celle-là que ça ne roule pas et que l'échappée aille au bout. Même si pourquoi pas. Donc voilà, moi je pense que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire au niveau de ce début de course. Non, même rien, là ça ne roule plus, donc l'échappée s'est formée avec les coureurs que je vous ai. Que voilà, donc les poursuivants ont rejoint le groupe de tête. Magnifique. Donc voilà, une échappée de 8 coureurs, on verra ce qu'elle va devenir dans la suite de cette vidéo. Je pense vous montrer les 30-40 derniers kilomètres, là où ça va devenir intéressant. Donc voilà ce qu'on va faire, donc on se retrouve pour ces 30 ou 40 derniers kilomètres. Voilà, donc on se retrouve à 38 km de l'arrivée, un petit peu moins, même beaucoup moins pour les échappés qui sont à 35,5. De plus en plus, j'ai l'impression maintenant. Qui nous dit d'ailleurs que voilà, donc ça roule beaucoup, 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 beaucoup depuis une trentaine de kilomètres. Et à noter, donc, comme vous l'entendez peut-être avec les effets sonores, qu'il y a pas mal de vent. Là, il y a 39 de vent, c'est monté jusqu'à 48. Donc l'échappé, Johan Bago n'a pas donné un coup de pédale et maintenant il attaque. Hein. Maintenant il accélère, Johan Bago, donc il n'a pas roulé du tout dans l'échappé. Maintenant donc, il a décidé d'accélérer. Bah, bien à lui, hein, donc, il n'a pas roulé parce que son favori, son leader pardon, était derrière. Enfin, était dans le peloton, donc logiquement, et comme c'est apparemment le favori de la course, et ben Johan Bago s'est permis de ne pas rouler. Ben, pourquoi pas? Donc voilà, nous on est. Ah ouais, on est pas si bien placé que ça. On va tâcher de se replacer quand même. David Evil est là. Alors on me signale mieux placé. Ici avec les caméras, on est toujours braqué sur l'échappée, mais on me signale que derrière ça s'est mis en marche. Donc est-ce qu'on pourrait peut-être aller vérifier ça, s'il vous plaît? Ce serait sympathique.
Voilà, toujours de Voilà, très grands là, commentaires. effectivement, désormais c'est encore plus criant. Et derrière, on s'est effectivement mis en marche. C'est fini de rigoler. Là maintenant, il faut quand même essayer de se rapprocher de plus en plus de cet échappé. Alors avec et Sylvain Dillier, on va essayer de tenter quelques... Essayer de tenter. On va tenter quelque chose. Et qui Mais... attaque ici maintenant dans Ça va être l'échappé. difficile. Il vient de signer son arrêt de mort, Ça celui-là. attaque dans l'échappée alors? Il Ouais, ça va pas tellement l'air. Yoann Bagot n'a pas pu sortir. Ça va Pourtant, être il le doit bordel. être Voilà. Maintenant, assez ça va frais. être le Parce qu'il n'a bordel pas pour roulé. l'échappé. Donc forcément, il faut espérer qu'il y ait la moindre once de collaboration. Et non, c'est fini. A plus de Donc là collaboration. ça va être Terminé. difficile, hein. On essaie de La se première replacer, on n'est pas si perdue mal quand même, qui est mais... partie. Et maintenant, eh ben, ça va essayer de partir un D'accord, peu dans donc... tous les sens aussi au sein À de Borgersur, cette c'est lui qui loupe. devait emmener, là, il est Et pas on bien y en passe forme. maintenant, vous le voyez. C'est difficile ce Le qui se sélectionneur est passe. sensiblement diminué D'accord, maintenant. donc... On va Ouais, donc bah si, tu bientôt vas demander aux protéger quand voitures de même. Hein. s'arrêter. Martin Olsen, Encore lui, un petit peu cramé. plus d'une minute d'avance pour Sylvain l'échappée. C'est vrai Dillier, que Christopher sur Gerping, les ça derniers remonte tours, doucement. ils ont plus difficile de résister au retour du peloton. Ah, donc on est plutôt bien Et placé. voilà, David Sylvain Eville est Gerping. là. Et bien placé aussi, mais on va pas se cacher que c'est le bazar. Borgersur, qui est mon coureur qui devait emmener, bon. Bah, je crois qu'il n'emmènera pas. On a plus beaucoup de coureurs. On a Bugge là qui remonte aussi. On a 4 coureurs donc qui sont plutôt bien. Et Oscar Svensson, là, j'espère qu'il va maintenant, pouvoir vous le tenter d'amener un petit constatez peu. également, les coureurs Et là, ça va être tendu parce qu'il a pas vont beaucoup repartir vraiment de très rouge. difficile de cet Qu'est-ce qu'on va affrontement. faire du coup? Plus de 10%, la pente est quand même très très Je pense que importante. Sgarping déjà va Et suivre. les hommes David Evil est là. forts, eh bien, ce serait peut-être une bonne idée pour eux d'essayer de faire quelque Et chose, David Evil est là, puisque va c'est suivre. un Non, va passage suivre où on voit Bugge. vraiment qui sont les hommes forts Sylvain en Dillier, général. donc lui. J'hésite à le faire tenter quelque chose. Une attaque tout près de la ligne d'arrivée maintenant. Une attaque tout près de la ligne d'arrivée maintenant. Ça va faire des dégâts, ça. Ça va faire des dégâts. Ça va faire des dégâts. Oh, une Oui, chute. il y Une en a un qui chute. était tout droit. Alors qu'on est plus que 40 dans le peloton, hein. C'est eu un petit coup de bordure et puis. De toute manière, ça roule tellement fort, bon les autres sont totalement relevés. Sylvain Dillier était pas mal, j'aurais presque pu le faire 1 attaquer tout à et l'heure, je vais attendre 0 la prochaine de bosse. côte à côte. 10 et 10. Vous l'avez également constaté. Parce que Un devant ça a nouveau petit attaqué, il y a quand maître même qui Yoann Bagot qui est donc sépare seul devant, désormais hein, de qui la était ligne dans d'arrivée. l'échappée matinale. Allez, on va tenter une offensive avec Sylvain Dillier là, même si derrière bon, on fait un train assez Attaque entière du intéressant. peloton maintenant dans le final. Oh, ça, on Yoann, ne va pas donc laisser faire. là C'est pas possible, on on ne est va en pas train laisser de. faire. Hein. Si jamais il a une chance d'aller au bout, celui-là en plus. On Ouh va là, ralentir pareil, un peu il se l'allure retrouve avec avec Bugge, le même si là, je sais pas peloton. trop quoi faire parce qu'il y a quand même Bagot qui est présent ici donc c'est assez tendu. Borgersur est tombé, tu sers à rien. Ouais, 33 secondes Un des deux chute coureurs qui en sont devant pleine pour Sylvain terre pour Dillier, les coureurs. qui va utiliser son Et sur le gel. panneau, J'ai la utilisé le même gel vol. aussi. Là, c'est assez complexe à 5 km gérer. encore, on est passé en dessous là maintenant. C'est Bon, fait. on va rouler beaucoup plus fort parce que on n'est pas spécialement serein. Ah, ça va être difficile de revenir maintenant. Serov qui est sorti, donc lui, il n'était pas dans l'échappée du jour. Sylvain Dillier qui revient peu à peu. Bugge va sprinter. Plus de 5 minutes d'avance maintenant pour l'échapper par Allez, rapport Sylvain au Dillier qui maître. va sprinter aussi. David Evil est là au Un sprint. nouvel Parce internaute que maintenant Gerping qui va sprinter signale aussi. qu'on est parti S'il n'est pour pas un petit coup de bloqué. pouce. Allez, devant, ça va être Serov qui va aller Et son s'imposer. Ça va être coéquipier Serov, aussi. hélas. Devant Il Sylvain attaque, il Dillier. passe Et rapidement dans les Garcia et derniers Gibel instruments. C'est et comment serré Gerping, lui, cette ne étape. fait que Ça va pas se 5e. passer grand-chose dans la course, Ouais, mais donc les deux favoris, l'une Garcia des et autres va peut-être Gibel, ouais, même j'ai avoir beaucoup mis de un mal à peu le de prononcer. Et pression Jonathan dessus Hivert, on pour fait 3 et l'éviter, 4. qui peut se poser des questions. Bon. En plus, On fait que de deuxième, donc réaction. course difficile, hein. Bien joué Alexander Serra Et d'avoir attaqué. celui-ci pour ça aussi J'aurais pu rapidement. attaquer plus tôt avec Parce que Sylvain quand on voit qu'il Dillier. ne se passe pas grand-chose, pendant la Je course, pense. nous, on n'est pas du tout obligé de se taire pour la cause. Ne vous inquiétez pas. Et puisque donc vous avez trouvé le chemin, Ouais, donc en tout cas, on bon, va ça bien aura fait continuer. l'écrémage, hein, Continuez, continuez. Posez des cette course. questions. Allez, Martin, On va pas un répondre à petit sprint, hein, toutes fais-toi les questions plaisir. non plus. Il vient d'en voir Et une fini dernier, trentaine qui Martin vient Olsen. d'arriver Bon, c'était maintenant. lui Ça qui veut était dire que chargé de c'est bidon, évident donc. qu'on va pas réussir à C'est répondre à pour toutes les ça. questions non plus. Mais on fera pour le mieux. Et donc, c'est aussi à vous de participer pour rendre la course un petit peu moins monotone. Voilà. Ouais, bon, des commentateurs qui sont peut-être un petit peu chiants en fin de course quand même, mais bon. Voilà, donc Ruth Adélaïde Vitré, Serov règle le sprint, hein, donc bravo à lui. On fait 2-5-8, bon, en équipe, on doit faire premier, mais peu importe, hein. Ça aurait été beaucoup plus intéressant de s'imposer avec Sylvain Dillier, par exemple.
Ouais, il y avait moyen d'attaquer plus tôt ou d'emmener Sylvain Dillier avec un autre coureur. Mais bon, c'était pas forcément évident parce que Sgirping me semblait bien. Mais au final, ça montait un peu trop. Donc, je pense que dans des courses comme ça, il faut faire beaucoup plus confiance en six punchers, donc en Sylvain Dillier ou Vegard Bryn, même si Vegard Bryn n'était pas présent. Et la preuve, parce que qui a gagné, c'est Serov qui est. Qui ça fait tout à fait plaisir à Kouam, qui est un russe, hein, de l'équipe russe vélo, 71 sprint. Ah non, c'est d'accord, j'ai rien dit, parce qu'il a 65 en vallon. Mais bon, bref, sinon derrière, c'est des coureurs qui sont plutôt bons en vallon, qui sont allés chercher les places d'honneur. Voilà, donc voilà, comme voilà, 74 vallon avec Gibel, Ivert 75, et Sylvain Dillier lui à 72. Il me semble, donc voilà, donc un petit regret de ce côté-là, parce qu'il y avait moyen avec Sylvain Dillier de. Bah d'aller chercher cette victoire, mais bon, c'est assez étonnant que le peloton ne roule pas plus fort et que ce soit aussi facile de sortir seul à 10 km de l'arrivée. Enfin, je comprends pas trop comment on peut à 10 km de l'arrivée sortir et. Enfin, seul quoi, je veux dire, et quand il y a un petit groupe qui sort en vrai, bah, c'est tout à fait jouable, mais quand on s'appelle Alexander Serov et qu'on a 65 wallons, qu'on n'est pas spécialement un gros baroudeur ou un gros rouleur, bon, il y a 112-112 en plat et en baroudeur, donc pourquoi pas, enfin bon, malgré tout, on n'est pas censé creuser un écart suffisant pour que le peloton ne puisse pas réagir, parce que c'est ce qui se passe trop souvent. Donc, mes coureurs mènent le train, mais bon, et du coup, l'allure est pas assez soutenue. Et puis, bon, dans tous les cas, on n'a pas les moyens d'aller chercher la victoire finale au sprint. Hein. J'ai beau essayer de toutes les manières, avec Sgirping, il finira toujours par se faire. Bouffé parce que j'ai sprinté à 1 km de l'arrivée, mais plutôt il aurait été pareil. Donc très très complexe à gérer les sprints, même si là c'était pas tout plat, donc ça s'explique aussi un peu par ça. Ouais, donc c'est un peu le débrief que je ferai de cette étape. Maintenant on va se retrouver pour une étape encore plus vallonnée. Donc je pense que je mettrai plutôt Sylvain Dillier en leader, même si là bon on a tenté quelque chose et que ça a failli payer. Et je mettrai également Vegard Bryn peut-être, mais s'il est un peu plus en forme, à voir. Faudra que je regarde ça. Donc, on se retrouve pour cette deuxième classique. Et voilà, donc on se retrouve pour cette deuxième et dernière course dans cette vidéo. Donc, Val d'Isle classique souvenir Julien, dites le cadet. Voilà, donc c'est une course vallonnée, hein, comme on peut le voir. Et donc au niveau des favoris, bon c'est à peu près les mêmes, il y a Jonathan Hivert, bon je n'ai même pas trop regardé en fait. Mais bref, ça va être un peu. Ah, il y a quand même deux meilleurs coureurs, hein. David Arroyo, Doohan, Philippe Denyen. Moi j'ai mis Vegard Bryn. Julien Antomarchi, tiens. Un bon petit puncher, 68-71. Ah, je pensais qu'il était un petit peu mieux noté. Duarte, 74-74, attention. Taboret, 72-74. Léopold Koenig. Le 9e de la Vuelta, il me semble. 8e, ou ouais, je sais plus trop. Bref, donc moi de mon côté, j'ai sélectionné Kyocha, Vegard Bryn, Estienne Rem, qui n'était pas présent lors de la classique précédente. Bon, ils sont pas spécialement en grande condition, hein. Donc pour moi, le favori, ça va clairement être Sylvain Dillier. Mais bon. Donc déjà, je pense que là, ça passe à l'offensive. Ça passe à l'offensive avec Arango Carvajal. Ah, un bon petit sprinter, c'est bien. Voilà, donc 5 coureurs sont partis. Et derrière, un autre coureur est en contre, Hampton. Moi, je vais tenter d'attaquer, je pense, avec Stian Rem s'il veut bien remonter tout le peloton. Et pour le moment, il a pas envie. Il veut pas. Donc, il reste dans les blocs. Donc, bon. C'est normal, hein, il était un peu loin. Donc, ça se comprend pour le coup. Kyocha, ouais, je vais le mettre avec Vegard Bryn, on s'en fout. Svensson. Alors, je vais protéger Borgerson. Ah, quoique Borgerson, je suis pas sûr qu'il serve beaucoup. En tête du peloton, tente de s'échapper là, ils prennent la poudre des scampettes. Bien sûr, merci au commentateur qui a fait cette voix. Christopher Girving, David Evilla. Ah ouais, d'accord, donc en fait, non, on va pas faire ça du tout. Svensson va protéger. Villela et Borgerson va protéger Christopher Sgirping. Oui, ça suffira très bien. Voilà, donc paf, 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 on sélectionne les trois leaders. Même si ça va être difficile de régler ça au sprint, hein, honnêtement, vu les pourcentages que l'on voit là encore, ça va être complexe. Ouais, donc on va placer nos coureurs ici.
Voilà, pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent, c'est bien. Stianrem, lui, il remonte. Très bien, il remonte. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'on est lâché du coup. Irrémédiablement lâché. Donc là, je sais pas trop ce qui se passe, hein, parce que... Et puis plus personne ne roule, évidemment. Les mecs, ils se disent, bon, bah, on est lâché, du coup, on arrête de rouler. C'est l'évidence même du cyclisme. Donc là, bon, bah, je sais pas, on a été lâché d'entrée. Bon, c'est vrai que, honnêtement, en général, quand je ne commande pas et que je ne fais pas d'introduction de course, je mets direct au curseur et je me place direct. C'est systématique. Donc Stianrem, bien sûr, du coup, il mène le groupe, hein, comme je regarde plus devant, c'est évident. Bon, bah, du coup, c'est bien, ça commence bien. Sylvain Dillier, c'est pas toi qui va faire l'effort, en tout cas, parce que t'es quand même le leader. Il y a qui? Il y a Borgerson. Bon, on n'est pas super loin, je pense quand même qu'on va rentrer, mais bon. Donc, qui c'est qui est lâché? Il y a Svensson qui va tenter de rouler aussi. Sofer Gerpin qui est là. Voili voilou, donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Ça me saoule un petit peu parce que bon, je sais pas comment on peut être lâché d'un coup comme ça alors qu'il n'y a pas de vent. Et qu'en plus de ça, le peloton était en train justement d'arrêter de rouler. Enfin, bref, c'est. Ou de rouler pas spécialement fort. On voit au pulse. Stianrem qui est juste ici, il n'y a pas des pulses sensationnels. Donc c'est assez... c'est ridicule, quoi, c'est tout. Oh là là, mais il n'y a pas grand-chose à dire. On va... Borgerson va faire le job, et puis on va rentrer, mais c'est... C'est lamentable. Hein. Enfin, ce qui est lamentable, c'est de se faire lâcher, puis que les mecs se disent, ben non, mais on roule pas, on vient de se faire lâcher, donc faut absolument s'arrêter de rouler. Parce que là, on n'a pas pu faire grand-chose, hein. En 10 km, on s'est fait lâcher. Pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, Borgerson. Allez, bonhomme. Hein? T'es costaud, faut pas hésiter à t'imposer. Ah, on va rentrer, c'est magnifique. Regardez, ils sont juste là. Ils sont juste là. Avec Schillinger qui est en queue de peloton. C'est beau, hein, c'est magnifique. Ouais, du coup, j'ai pas attaqué, hein, bien sûr. C'est magnifique. Doublement magnifique. Qu'est-ce qu'on pourrait tenter? J'en sais rien. Non, j'ai pas envie d'attaquer avec tout, avec deux coureurs. J'ai pas envie. Ouais, bon, on s'en fout, on va attaquer avec Stianrem. Ouais, ça fait tard pour attaquer, hein, mais bon, tant pis. Voili voilou, donc Gerpin, ah oui, il est tout en queue de peloton, ainsi que Sylvain Dillier, bah, bien sûr. Tout simplement génial. Voilà, voilà. Donc les gars, ça roule peut-être derrière Stianrem, je sais pas du tout. On va le baisser un peu pour voir. Moi, je pense pas que ça roule spécialement. Parce que je dis ça parce que mes coureurs ont beaucoup de difficultés à remonter là, donc David Evil est là, Christopher Gerping, je sais même pas où ils sont, c'est le bordel. Vegard Bruyne, non, il pulse pas du tout, donc ça roule pas. Bon bah écoutez, on va les replacer, on va arrêter ce curseur là, c'est n'importe quoi. Hop, on va les remettre à 70 et on va les mettre... Ah, j'ai changé de souris, au fait ça fait quand même du bien, parce que là, au moins je peux remonter tranquillement. Ouais, donc Stianrem, bon, dépêche-toi quand même de revenir. Je vais le cramer un peu là maintenant, mais au moins il sera plus vite dans les roues, il s'économisera plus vite ensuite. Donc on va le mettre à 80 et puis je crois que on va mettre un petit x2. Plus personne n'est au curseur là, bon c'est bien. Svensson lui protège qui? Ouais, il se protège David Evil là, voilà. Donc on va replacer tous nos coureurs qui ne protègent pas. On va les replacer, les remettre là où je veux, c'est-à-dire ici, bien en tête de peloton, mais pas trop quand même. Alors Stianrem qui a zéro de forme, bon, écoutez, et qui va bientôt rentrer, on va faire le forcing final, il est à 1 minute. Allez Stianrem, fais le job. Allez, allez, ça monte, là il va pouvoir reprendre un peu de temps, lui qui a 70-70. 70 montagne, 70 vallon. Hein. Et voilà, il est rentré. Et bah c'est magnifique, bravo Stianrem, hein, qui là encore très réaliste, réussit à boucher 3 minutes 30 à lui seul. Mais bon, ça dans PCM c'est très facile à faire, donc... Stianrem au repos, et nous derrière, et bah tout simplement... d'accord, mes coureurs sont pas tous spécialement bien placés. Notamment Sylvain Dillier, là, qui est... Je l'espère, va remonter un petit peu, quand même. Voilà, donc on va placer nos coureurs. C'est ce Gerping, on sait qui c'est. Villé là, alors qu'il doit pas être super bien, aussi.
Et ben voilà, on le replace. Et voilà, donc magnifique introduction, enfin première partie de course. On se tiendrait, mais j'aime pas trop quand même quand on roule pas devant, donc on va le faire rouler un petit peu, puis de toute façon. Alors, 2 minutes d'avance, je ah, ça attaque! Ah non, j'ai cru qu'il attaquait la vieux, mais non. Bon, bref, on va se retrouver donc comme d'habitude pour la fin. Donc là, ça va être sûrement être les 40 derniers kilomètres. Donc, à tout de suite. Et voilà, nous nous retrouvons donc à moins de 35 km de l'arrivée. Il s'est passé un beau bazar hein, là, c'est assez étonnant. Donc, Stianrem, voilà, est toujours devant. Il n'y a plus beaucoup d'avance, donc on va sûrement tenter quelque chose. Ouais, donc on est pas mal placé hein. Bon, à un moment on est sorti un groupe de 40, ça a duré une bonne vingtaine de kilomètres. Il y a aussi une partie de peloton qui est partie à un moment, enfin 10 coureurs qui roulaient en tête de peloton et qui ont fait ça pendant 50 km. Ils sont restés à 30 secondes du peloton, donc c'était assez magnifique à voir parce qu'ils voulaient pas rouler, enfin bref, enfin, ils voulaient pas être échappés quoi, c'était simplement pour rouler pour leur leader, mais ils se sont échappés quand même. Ouais, donc pour ce résumé, pendant que vous n'étiez pas là, mais vraiment rien d'intéressant. Hein. Honnêtement, Stianrem, là, ah, ça attaque, là, ça accélère. Et vers les Pozzo. Et j'arrive. Donc là, il y a beaucoup de choses à gérer. Hein. Franchement, il va falloir que je tente quelque chose avec Vegard Brin, du coup, parce qu'il a plus 5. Hein. Sgerping, il va falloir que je le gère, parce qu'il a plus 4, mais que je le sens pas trop dans ce sprint, honnêtement. David Evil est là, bah, il va tâcher d'emmener. Stianrem il est devant, il va falloir le gérer, bon ça j'en ai déjà parlé. Ouais, donc là je pense aussi que l'échappée a très peu de chances d'aller la chercher, il reste 1 minute. Kyoshoi, donc bon, déjà j'ai pas envie de le cramer. Vegard Brin, Sylvain Dillier, oui je le cherchais, il est là. Il y a moyen qu'on tente quelque chose avec Sylvain Dillier et Vegard Brin, ces deux magnifiques coureurs. C'est fait, c'est officiel. C'est en train de s'attaquer maintenant, carrément. Ah, Estienne Rahm là, il. Peu, je sais pas si je tente. Ouais, non, ça. On est plus que 4 là, dans l'échappée. Encore une petite minute d'avance. Sgerping, ça va, il est pas mal. David Evil est là. Ah, bah, il est pas mal, mais il faudrait qu'il soit un peu mieux placé. Svensson, bon, il va pouvoir te mettre au curseur des fois que, mais. Ouais, là, c'est assez complexe hein, ce qui se passe. Alors, Stianrem, du coup, on va attendre la prochaine boss et il y a moyen qu'on tente une offensive. On va le laisser un gros curseur et puis on verra bien. Sylvain Dillier, donc lui. Avec Vegard Brin, donc on va tenter une offensive à partir d'ici. D'accord, donc je suis pas sûr que. Ah si, il y a moyen de sortir, donc on va. Ah bah, on est déjà parti. Si, vous connaissez certainement. Allez, on attaque. Non, peut-être palmarès de cette course. Il y a notamment oui, Bertolini en 93-94. Très complexe, là. Honnêtement, on est parti, mais pas spécialement bien loin. Bon, alors, tu vas suivre. Est-ce que Sgerping va suivre? Ah, il peut pas suivre, il est là, d'accord. Donc, pour Brin et Dillier, voilà. Alors, Stianrem est seul devant maintenant. Vegard Brin et Sylvain Dillier sont un peu cramés du coup. Sgerping est là et il peut pas suivre grand monde. Alors, Kyoshoi aussi qui. Ouf, 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 c'est assez complexe là. Stianrem, ouais, il pourra pas gagner de toute façon. Ça attaque avec Taboré, Malacarné, Emmanuel Essella, les Punchers attaquent. Paf. Au fur et à mesure que les kilomètres se passaient, que le peloton se rapprochait de l'échappée, on va utiliser en tout cas le gel. Sgerping, il peut pas suivre, d'accord. On peut pas suivre, donc on peut pas faire de train. Tous nos coureurs sont au curseur devant. C'est magnifique. Je peux vous assurer que là, c'est. Et puis on voit l'allure qui est très très modérée. Kyoshoi qui hésite pas à partir. Et quand on voit un spectateur courir plus vite que l'allure à laquelle vont les coureurs, je peux vous assurer que la. Attendez, parce que je piche pas tout là, on peut pas. Je sais pas pourquoi on peut pas sprinter. D'accord, je sais pas. Bon, d'accord, donc on va aller faire sprinter un par un. Du coup, j'ai dû mettre pause.
Parce que je n'aime pas. Ah bah d'accord, il est là lui. Ah bah d'accord, les mecs sont full et. J'ai pas compris pourquoi je pouvais pas sprinter. Je me suis dit il faut attendre un kilomètre, mais comme les autres sprintent à côté. D'accord, j'ai pas pu faire sprinter tous mes coureurs, bien sûr. Ah non, Stianrem, bah si, c'est bien ça, faut attendre le kilomètre. Bon, bah écoutez, on va bien voir ce que ça va donner, même si là, je suis pas spécialement serein. Ouais, on devrait faire une place encore, une deuxième place. On fait 2 et 3, bon. Pour remporter cette course. La course est jouée. Piouf. Fabio Andrés Duarte à Revalo qui s'impose avec 65 sprints, 113 accélérations, mais surtout 74 montagnes et 74 en vallon. Donc voilà, un bon coureur qui s'impose, mais bon, on aurait là encore pu gagner. Bon, ça joue à peu de choses. Ouais, à mon avis, j'ai mis trop de joueurs, enfin de coureurs qui étaient susceptibles de faire quelque chose dans cette course. Donc, à savoir Vegard Breen, Sylvain Dillier, même Kyoshoy qui s'est retrouvé un peu aux avant-postes. Sylvain, d'ailleurs, on fait 2, 3, 7 et 9. Ah là là. Pour le coup, j'aurais pas dû attaquer à ce moment-là avec Vegard Breen et Sylvain Dillier. Bon, c'était pas forcément évident. C'était pas forcément évident à savoir et à gérer. Kyoshoy fait 11ème. Voilà. On connaît ses grandes qualités de sprinter. Non. Bon, puis c'est vrai que si Vegard Breen, honnêtement, avait été en forme, parce que là, il doit avoir 4 de forme, ce qui est vraiment pas terrible. Sur 6, donc il aurait effectivement pu faire quelque chose avec un ou deux de forme, mais c'est sûr que je pense qu'il serait parti et que il aurait pu aller la chercher parce que là il fait quand même 9ème alors qu'il était un peu cramé. Mais sinon, bon bah, malheureusement, on n'a pas pu s'imposer. Et Sylvain Dillier fait quand même 7ème aussi, c'est pas mal. Donc on n'a pas pu faire de train non plus. C'est quand même assez curieux là. Hein. Enfin, je sais pas. A mon avis, le train devait commencer à 3 km sur ce genre d'étape-là, ça doit être ça. Et le sprint se lance à 1 km, donc... bon. C'est très complexe à gérer, ça nous permet hélas de ne finir que 2e et 3e. Avec nos deux sprinteurs, du coup. David Evil est là, qui revenait très fort et qui... On le voit, est quand même un peu plus fort que Christopher Gerping. Au niveau de... Bah, je pense qu'il doit être meilleur en plat, tout simplement, ou je ne sais pas, ou en endurance-résistance, peut-être plutôt. David, ah oui, il a 65 plaines. Ah d'accord, ils sont... non, j'en sais rien en fait. D'accord, j'ai recliqué sur Villela là. Puis le temps que ça s'affiche chez moi, ça met 7 ans. Ah, c'est vrai que c'est un peu ce qui leur manque, c'est l'endurance et la résistance. C'est pour ça qu'ils sont un peu cramés avant les finales. Ouais, pourtant, bah, Gerping est bien meilleur que ça en endurance, en résistance ou en plaine. Donc je comprends pas trop pourquoi il a pas. Je trouve qu'il a moins de puissance. Bon. Après, Villela au final est peut-être mieux géré parce que. Ah, peut-être plus gérer. Parce qu'il était. Je sais que Gerping était beaucoup devant dans le final, donc c'est peut-être ce qu'il a un peu cramé aussi. Bref, on finit 2ème et 3ème, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, même si j'aurais préféré gagner, c'est sûr. C'est tout de suite une autre dimension que de gagner, surtout dans un jeu tel que Pro Cycling Manager. Et donc, bon bah voilà, pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que la prochaine vidéo concernera le bilan de ce début de saison et que du coup, bah. Je vous dirai pas mal de choses. Et je pense qu'on va se retrouver assez vite hein, à la fin de cette première saison. Parce que j'ai simulé un peu les courses qui ne sont vraiment pas intéressantes. Et que de toute manière, je vous le dis maintenant, je suis presque déjà assuré de monter en Continental Pro. Donc ça n'a que très peu d'intérêt. Hein, la preuve, là on fait encore 2 et 3. Bon voilà. C'est bien que ça va quoi. C'est pas trop compliqué non plus. Parce que bon. C'est du 1.1 et faire 2 et 3 ça va rapporter là encore hein, pas mal de points donc pas de soucis. On est plutôt bien positionné pour monter en Continental Pro. Donc je vais vous dire à la prochaine donc pour cette vidéo bilan. Et je vous remercie donc comme d'habitude de suivre cette carrière, de suivre nos vidéos. Et donc je vous salue. Salut à vous.